Alors, messieurs, dames, bonjour. Vous êtes totalement absent pendant une période de la journée. Une courte période, mais sera suffisant. Et là, j'ai deux boulots. J'ai pété vos. Faut que je. D'accord, put on. Ok, d'accord. Non, ça, c'est la voiture. Donc, il y a la voiture et il y a les nains de jardin. T'as les nains de jardin. Pour péter leurs nains de jardin, c'est 1700 dollars, quoi. C'est rien que ça, quoi. C'est piqué leur bagnole, hein. Ça me prend pas. Ça prendra pas des plombes. Je peux faire ça à 19h. Hein. Donc, 19h. Et j'ai 3 minutes, en gros. Je vais juste couper un instant, m'occuper du chat. Et je reviens à vous. Bon, me voilà de retour. Ah, attendez, alors. Chaque fois, je remets intégralement mon casque sur les oreilles, mais je m'entends pas. Donc, hop, je décale toujours mon casque de façon à pouvoir m'entendre dans mon oreille droite. Alors, et j'ai mon micro à gauche. D'ailleurs, voilà. Il sera mieux positionné comme ça. Donc on disait 19h pour nos amis les Reds. Les Reds, on sait pas s'ils sont armés. Voilà, on n'a même pas regardé s'ils avaient des caméras de surveillance. Ce qui semble être le cas. Donc déjà repérage. Avant toute chose, on va faire un petit peu de repérage. Puisqu'on ne connaît pas cette maison. Donc déjà, faut rentrer par ici. Ça va être serré. Je sais pas si on peut couper le courant. Parce que cette mécanique-là de couper le courant, on ne l'a eu qu'une seule fois, quoi. Et c'était dans l'autre. Ok, par contre. Ah, ils ont les volets roulants. Ils ont les volets roulants et ça peut être emmerdant. Alors, ce qui est drôle, c'est que il est 8h. Et ils sont toujours. Alors, est-ce qu'on peut escalader quelque part? J'ai pas vu si on pouvait escalader quelque part. Je refais le tour. Pour accéder à une. Fenêtre à l'étage plutôt. Mais je pense plutôt qu'on va rentrer par la porte. Quoi qu'ils sont pas là. Non, parce qu'il n'y a aucun moyen d'escalader. Bon, 19h. Est-ce qu'on fait 18 et on attend? J'ai peu de temps en vrai. Donc je vais attendre 18h et attendre qu'ils sortent. Quoique. Allez, hop. En vrai. C'est quoi, crochetage automatique? On va attendre que Madame cesse de mes pieds. J'en doute. C'est bon.
C'est quoi ça? Pas notre commande des fenêtres, on s'en fout. La bagnole. On va quand même piquer 2-3 trucs. Y a un truc là, non? Non, y a rien. Hop, 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 y a un globe, mais c'est un petit peu. Hey. Allez. J'ai la moitié du temps imparti. Je check rapidement, mais j'ai pas vu de coffre. C'est left control. Okay. Comment on l'ouvre? Fais chier. Putain, il m'a grillé. J'ai mis trop de temps. Ok. Non, mais au moins, on sait à peu près voilà, ce qu'il y a. Où c'est. J'ai fait un peu trop le kéké. J'avoue. Putain. Putain de merde. Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, je perds trop de temps. J'ai coupé le mauvais fil. Pourtant, j'étais sûr. J'étais sûr de moi. Je suis planté de côté là.
Si, celui-là. Hop. Alors, le vert. Le jaune qui va là. Et le rouge qui va là. Ok. Alors. Oh purée, les nains de jardin, je l'ai pas fait aussi. Là, j'ai un souci. Parce que je sais pas. Pour le portail. Là. On la refera plus tard, cette maison. On sait que faudra la rincer. De toute façon, la 104, la 106 et la. Et la 201. Pardon, la 204, 206 et 201. To get past security, you have to think outside of the box. And learn how to climb pipes. On a bien fait. On a bien fait de garder nos points. Parce qu'il faut apprendre ça. The best cars have electronic locks. You're gonna have to learn a new trick. M'en douter. Bon. C'est celle-là? Ouais, elle est. Oh, il y a déjà une roue. Il y a une roue de secours en plus. Bon. Bah écoutez, je voudrais juste c'est vérifier. Wow, ça va, 74 sur 1000. On a largement de la place. On a. Je savais qu'il avait 1000 de contenance, mais je savais pas combien on en était. Bon, séance démontage ou on. Non, de toute façon, j'ai rien chopé parce que j'ai rien. J'ai focus l'objectif. Bon, bah écoutez, hop. Nouvelle séance de démontage de bagnole. On va faire ça. On est parti là-dessus.
Allez, hop, on va s'attaquer au filtre à air. Voilà, la batterie, c'est juste à côté. Bon, le moteur, toujours le même principe, hein, les bougies d'allumage, tout ça. Ah, le module d'allumage, en plus, on me le demande. Il y a une étoile dessus. Putain, c'est chaud quand même, hein. Les mecs, ils préfèrent acheter leurs pièces détachées sur... Zut, une seconde, j'en appelle. Excusez-moi, donc c'est bon, c'est rien, c'est pour... Voilà, un appel encore téléphonique. C'est rien. Ouais, je commande pas vraiment là, mais voilà, c'est son. Des moteurs, quoi. Faut de la mécanique. Excusez-moi. Je sais. C'est révoltant ce que je viens de faire. Même moi, je suis choqué. Ok, donc la courroie, je peux la retirer maintenant. Non? Ok, c'est parce que... Elle a bougé. Bien. C'est le démarreur, ça, ouais. Ah, je commence à... Ça y est, hein, je commence à comprendre. Bon, tout ça, il va falloir que j'enlève d'abord les suspensions, tout ça. Donc, il va falloir que... Ah, va falloir que je passe aux roues, tout ça. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux... non. La roue qui est là, je peux pas la récupérer. Parce que dommage, ça fait 5 roues, quoi. Enfin, allez. Hop. La plaquette avant.
Ok, est-ce que je peux toucher à la suspension avant? Non, visiblement, cette fois-ci, il faudra attendre de vraiment être en dessous. Donc je les roue. Ok. Dernière roue. Les suspensions, et comme d'habitude, on va commencer par le frein. Ouais, attendez, ouais, c'est ça. Tiens, on voit pas la. Ah, si, c'est ce que je voulais dire. On voit pas le réservoir, mais ouais, on va commencer par le réservoir. Que je voulais. La pompe à carburant. Là, il me demande le réservoir, mais d'accord, ok. Faut d'abord retirer tout ce qui est pot d'échappement, tout ça. Alors. Ok. Parce qu'il fallait maintenir le clic. Ah, tu vas y arriver, oui. Ah, c'est chiant. À force, chaque fois, faut cliquer, puis après maintenir. Ok. Il zoome pas sur le bon truc. C'est pas grave. Je vais pas regarder là-bas. Ouais. On va commencer par le tout ce qui est échappement. Fait de regarder à ça. Ok.
Ça a une forme un petit peu phallique, hein. Vous avouerez. C'est vrai que ça fait une sacrée longueur de tuyau, c'est... Je suis en train de me poser une question con et je pense que je connais déjà la réponse, mais au cas où, comment, il y aurait moyen d'économiser en taille de tuyau simplement en mettant le moteur à l'arrière. Mais je suppose que c'est pour des raisons de sécurité, parce que si le moteur est à l'avant... Bah, il se déforme et il amortit le choc en cas de face à face. Donc pour les habits et pour les voilà quoi, pour les usagers, mais je pense que ça marche comme ça, mais bon. Je sais qu'il existe des voitures, enfin qui. Alors, est-ce qu'il a existé des voitures avec des moteurs à l'arrière? Je sais pas si ça existe encore, ce genre de voiture. Je veux dire, en dehors des voitures de collection, bien sûr. Bien. Ben, on a quasiment tout retiré, je crois, de tout ce qu'on pouvait retirer en dessous. Ouais. Donc, on la redescend. On retourne dans le moteur. Ouais, je sais pas si on met la demande, mais bon, dans tous les cas. Non, la boîte de vitesse de 4x4, on ne la demande pas. Alors, je suis embêté, il me manque quelque chose. Et le problème, c'est que la caméra est vraiment... Ah, d'accord, ok. Fallait que je dézoome. Je suis sûr qu'il me manque un truc. Non? J'avais vu ça. Non, la boîte de vitesse, c'est tout ce qui me manquait en fait. On l'a vraiment désossé hein, pour le coup. Je vérifie, hein. Je vérifie tout.
plus que les. Il reste plus que tout ce qui est accroché à la carcasse en fait. Ah, alors c'est bête, l'arbre de transmission, je l'ai retiré et pourtant il est toujours visible. Ah, quoique, je suis pas sûr que ce soit le. Non, c'est juste une armature en fait. Ok. Bon, ça demande quoi sur Black Bay? Du pognon. Ok. Hop. Ça, c'était Black Bay. On me demande l'appareil de clonage pour voiture. Ouais. Je tombe à 6000. On me redemande une quête ici. Oui, il y avait les nains aussi que j'ai pas fait, alors que j'aurais pu We faire. want you to send a message to Mr. Torres. Get me his car. He always got the key on him, so you need to steal its signal. Ok, alors ça va pas être évident. On va faire une petite pause dans l'histoire. Et déjà, on va faire les quelques missions secondaires. Parce que ça commence à s'accumuler un petit peu. Il n'y en a pas des masses, mais notamment, par exemple, oui, les nains de jardin que j'aurais pu faire comme un idiot et que j'ai pas fait. Alors, moi, la question que je me pose. Ouais, ok, d'accord. Par contre, donc, les caméras ont été remis en service. Évidemment. Donc, on va juste attendre. Oh, purée, il y a un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Alors, juste, je rentre. Bon. Ouais, parce que le problème, c'est que voilà, j'ai un nain qui est en plein milieu d'une caméra. Allez, ce coup-ci, je me plante pas. Il y a ce rouge-là. Il y a le bleu qui est là. Il semblerait que ce soit tout. C'est tout. Ok. On va rapidement. Bah écoutez, pour le moment c'est juste pour l'XP, alors je vais procéder pièce par pièce. Procéder pièce par pièce, hop. Y a rien ici que. Si, les bouteilles de vin. J'avais bien. Je vérifie. J'ai peu de temps, je crois.
Je crois qu'il... Attendez. Il est 21h. Ils reviennent à quelle heure? Je suis chez les Reds. Ouais, ils reviennent pour 22h. Ouais, j'ai quelques secondes, quoi. Ici, y a rien. Je vais passer par... Attendez. Déjà, je vais... Parce que si... J'ai 30 secondes. J'ai 20 secondes. Allez, c'est bon. 10 secondes, j'ai plus le temps, je me casse. Quel con, sors! Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il n'est pas sorti de la bagnole? Pourquoi il n'est pas sorti? J'ai matraqué E, j'ai matraqué échappe, j'ai matraqué espace. J'ai... On recommence. Je suis désolé, je... Voilà, en plus, je me suis rendu compte donc qu'il y avait besoin que de détruire qu'un seul nain de jardin, donc... C'est plus simple de procéder à l'envers en fait. Hop. Les caméras, je m'en fous. Je maximise. Encore une fois, hein, c'est vraiment l'XP que je vise. Donc je sais qu'ici il y a un téléphone. Les deux bouteilles. Ici, je me souviens déjà plus. Il n'y avait rien. Ok, ça valait le coup. Ah, j'avais raté ça. Donc je sais, j'ai jusqu'à 21h, mais avant... Enfin, j'ai jusqu'à 22h, mais maximum, quoi. Intéressant, ça. Est-ce que ça... Non, ça... Ok, équipement complet. Je tente, hein. Honnêtement, je... Il y a beaucoup de trucs qui sont pas... mine de rien... Ne pas avoir désactivé les caméras, c'est pas forcément une bonne... Ah, j'ai une minute. J'ai qu'une minute. Et mieux, c'est de me barrer par la... Je prends ça. Je prends le vase qui est là. Je crois qu'il y a un truc ici, c'est ça? Ouais, le téléphone. Allez, 30 secondes. Je me barre en courant tout droit. C'est rien, mais messieurs, dames, ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Je cours, je cours.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà, à 20 secondes près. Ça va, là j'étais un petit peu moins close, quoi. Ça va. Et là par contre, j'ai fait un. J'ai fait un petit rush, putain. 687 d'XP. Non, 137 d'XP rien qu'en vol, quoi. Pas mal. Alors. Cet outil copiera le signal électronique émis par la clé. Approche-toi d'une clé de voiture et appuie sur le bouton si c'est fait correctement. Ça ouvrira automatiquement la voiture fermée. Ok. On verra bien. À voir déjà dans le Black Bay si j'ai récupéré quelque chose qui peut être intéressant. Si je réponds à une demande quelconque. Visiblement non. C'est parce que je voulais Richie, tout ça. Ok. C'est quoi le prochain truc? Ouais, c'est bon. Voilà. On verra bien. Hop. Donc, la 205 à faire. La 205 à faire. Pourquoi je descends de là, moi? C'est l'échelle que je veux. J'ai rien sur la 205, hein. J'ai rien. Par contre, j'ai deux boulots. Donc, j'ai la vulcane à voler. Et il faut que je casse la télé à incurvé. Ouais, je vais la casser. Pour 600$, ouais, franchement, ça vaut le coup moyen, quoi. De toute façon, je vais rentrer dans la. Ça dépend, ça dépend. Pour 600, honnêtement, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Donc, la micro-caméra, normalement, je l'ai sur moi. Je l'ai pas déposée. Mon sac est plein et monsieur. Et il y a un agent de sécurité. Alors ça, c'est vraiment pas cool. Ah d'accord. Et c'est pas la dernière maison du jeu, hein. Cette sécurité. C'est parano. Manipulé par un autre. Oui, je sais, je commence à avoir des références pourries. J'ai pas pris mes jumelles. Bon, la micro-caméra, je peux la placer, il me semble.
Ces gens reçoivent bien du courrier, non? Ah d'accord. D'accord, ok. Je peux même pas placer une micro-caméra. Là, c'est chaud, par contre. Je sais pas trop là. Je vous avouerai, je suis dubitatif. Je vais reprendre ma paire de jumelles. Et de toute façon, enfin voilà, c'est. Toc toc toc. Sont mes jumelles. Si je les ai. Ok, je les ai sur moi, c'est juste que je sais pas pourquoi. Il a arrêté de. Enfin, il. Alors oui, c'est que voilà. Donc je fais. Ok. Je l'ai vu. Persuadé d'avoir vu leur agent de sécurité là, à l'instant. Petite découverte. Ok. Là. C'est pas ça, je pensais que c'était une caméra, mais non, en fait, c'est juste le coin de la maison. C'est la 205, hein. C'est chaud, c'est surtout pour les caméras de surveillance, quoi. Comment je vais faire? Bon, en tout cas, là, je vais rester en observation. Je vais rester en observation. Là, attendez. Parce que, non, bah, en fait, vu que l'agent de sécurité est quasiment toujours là. Sérieusement, c'est chaud quoi. Comment tu veux que je. Bon. Ouais, je voulais voir. Ouais, quelques. Toc, toc, toc. Non, range-moi ça. Voilà. 205 jusqu'à 6 heures. Non, ce que je voulais, mais jusqu'à 6 heures. C'est histoire d'économiser quelques minutes. Hein. Je retourne sur ma butte. Sauf si je vois le.
Oh, je l'ai pas vu celle-là. Je l'ai pas vu. Ça c'est ennuyeux, je ne vois pas l'agent de sécurité. Ok. Ah. Ah. Il y a une zone bleue. Monsieur Edward de 6h à presque 9h. Et lui, il est à l'arrière de la maison. Mais il y a toujours les caméras. Comment tu veux que je déjoue les caméras, quoi? Oh, j'ai fait une boulette, j'ai fait une boulette. Excusez-moi, j'ai appuyé sur trop de boutons en même temps, ça fait planter mon Steam, visiblement. Donc, on avance, hein, dans les. Hein, donc là, faut que j'avance jusqu'à midi. Faut que j'avance jusqu'à midi, et je crois que l'agent de sécurité il est là en permanence, quoi. Ça va être chiant de ces chiants. Bah, c'est bon, j'ai tout. Ok, j'ai tout. Alors, j'ai tout, sauf maintenant comment rentrer dans la propriété. Sans me faire griller. Ah! Ok. Donc, par derrière. Ok. Ok, et j'ai là ici aussi. Ok, donc déjà, ici, j'ai. Je sais comment rentrer dans la propriété tout en évitant les caméras. Et en fait, ok, d'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, voilà. Ensuite. Sauf qu'il n'y a pas de tuyau là. Faut que je monte par les tuyaux. Est-ce que j'ai des tuyaux de gouttière qui traînouillent? Ah, ça demande de la jugeote, hein. Ça demande de la jugeote. Hein. Là-bas, il y a un tuyau de gouttière. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par deux, que je passe devant, quoi. Monsieur Torres, comment allez-vous aujourd'hui? Toujours pas cambriolé? Ça serait pas tardé. Faut que je trouve une solution. Mais il n'y a qu'un seul tuyau que je peux utiliser. Parce qu'à mon avis. Mais non, mais à mon avis, faut. Que là, ce qui est dommage, c'est qu'il y aurait un tuyau ici. Je pourrais facilement rentrer, quoi. Vous savez quoi? On va regarder plus en détail. Donc, c'est surtout l'agent de sécurité. En soi, lui. Ah, alors, on peut attaquer pendant qu'il dort. Ça, certainement.
Donc, c'est-à-dire dès 19h. En soi, on arrive à 18h. Lui, il est à l'avant de la maison. Et après, il va à la piscine. J'ai même pas vu où était la piscine. Et après, l'arrière de la maison. Et lui se lève à 4h. Et il va à la cuisine. Bon. Donc déjà, on sait 18h, c'est l'heure à laquelle il faut frapper. C'est la meilleure heure où il faut frapper parce qu'il n'y a que l'agent de sécurité qui fait sa ronde et Torres dort. Donc ça voilà. Ensuite, donc il y a... Alors, une fois à l'intérieur, en fait, je peux couper les caméras de sécurité. Ça, à mon avis, sans gros problème. Après, voilà, faut que je sorte la voiture par ici. Donc, il va falloir que j'ouvre le portail. Donc, il faut trouver comment ouvrir le portail. Je voulais voir ça, mais... Allez, je viens de réussir là. Hop. Ok, donc la voiture, elle est là. Sachant que j'ai un deuxième objectif là, je crois. La télé qui est là-bas. Et au deuxième étage, je sais pas trop ce que c'est vis-à-vis de la... Allez, on va tenter comme ça. Là, attendez. Je vais tenter comme ça, mais le truc, c'est est-ce qu'à 18h, il ferme les volets? Pas encore. Vache. Ah.